La dynamique des transporteurs du Congo s'oppose catégoriquement à l'avis de grève lancé par l'intersyndicat des transporteurs en commun du Congo. Cette plateforme l'a fait savoir ce 26 août 2021 par le biais d'une déclaration dans laquelle cette dynamique a appelé les autorités à mettre la main sur les initiateurs de cet appel à la grève. La dynamique des transporteurs du Congo, au regard de la velléité de grève qui n'obéissent à aucune norme et qui, au mépris de la loi, sert au chantage et aux intérêts d'un petit groupe de gens. Nous, Dynamique des transporteurs du Congo, demandons aux autorités de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles afin que ceux qui oseront empêcher les transporteurs de travailler soient arrêtés et présentés devant le procureur de la République par le droit à la grève et libre et volontaire. Face au Covid-19, au lieu de soutenir les efforts inlassables du gouvernement pour nous préserver de la maladie, certains trouvent là une occasion de fragiliser l'état de crise sanitaire décrété par les autorités. Aussi, après l'amalgame organisé par les syndicats dans la gestion des aires de stationnement et face au refus de la mairie de céder au chantage, certains trouvent là une occasion de faire chanter les autorités municipales. La dynamique des transporteurs du Congo demande à tous les transporteurs de vaquer librement à leur activité professionnelle. Une équipe mobile sillonnera la ville pour une campagne de sensibilisation.